J'ai besoin d'évacuer toute cette merde. J'ai des problèmes d'oseille, je l'admets. J'arriverai pas à me taire, même au bord d'un cimetière. Je vous présenterai les faits jusqu'à l'éveil. Personne n'est parfait, c'est vrai, vous ne comprenez pas la vérité. Je vais vous l'énoncer, finir toxico ou intello, c'est la même chose. On va tous mourir un jour ou l'autre pour se sentir exister auprès des autres. Faut juste trouver la bonne dose et les bons mots. J'ai commis quelques fautes et je parle pas de niveau et encore moins de mon niveau. Ok, tout ce que j'ai, je l'ai eu grâce aux autres. Mais maintenant, laissez-moi passer à autre chose. Pourquoi on me laisse pas faire ce que j'ai envie de faire? De toute façon, on va tous crever à notre manière. Alors je veux rester maître de ce que je fais. Pour les gens, la réussite, c'est les études. Mais pour moi, ma réussite est ce qui m'importe le plus. Ma réussite dans ce que je veux faire le plus. J'en ai rien à foutre de cette bande de putes. Je mène une lutte avec ce qui me consume. Faut que j'arrête la fume. Elle ne me fera jamais monter jusqu'à la lune. Mais j'aime ce qui me bute. Je pourrais rapper sans but, ramper pour atteindre ce que je veux le plus. Pour atteindre ce que je veux le plus. Ce qui me plaît, c'est rapper, alors ne cassez pas les couilles avec votre anglais renforcé ou encore de votre bac de fin d'année. J'ai pas envie de briller en société, alors lâchez-moi si j'ai envie de rester à la case départ, si j'ai envie de traîner tard le soir. Qu'est-ce qui m'en empêche d'avoir mon avenir? Peut-être j'ai un caractère plutôt colérique alors que je mène une vie plutôt basique. J'aime la musique, elle m'enivre et la nuit, je la trouve poétique. Si tu connaissais ma philosophie, t'aurais peut-être envie de mourir. Ma stratégie peut s'avérer dangereuse, mais je fais même pas ce que je veux. Le baccalauréat était un jeu pour moi, et voilà que maintenant on bourre le crâne, c'est trop pour moi. Tu veux une page de mon dictionnaire alors que les jeunes se prennent pour des militaires? On sera jamais millionnaire, je rejette cette putain de haine, cette putain de haine contre le système et la société. Nous entendent pour mieux nous faire rêver. Liberté, égalité, fraternité, concept que j'ai oublié car on ne se refait pas avec le passé. J'allume mon briquet, je crame ce pétard tard le soir. Je crache la fumée dans le froid. J'ai mal aux doigts, j'en ai marre. J'accuse personne, je suis pas Zola. J'ai mal à l'estomac. Je suis peut-être encore malade, mais ce n'est pas grave. Pourquoi je me plains? J'ai même pas de sang sur les mains. Pressé sur la détente, histoire que je me détende. J'arrive même pas à exprimer correctement ce que je ressens. Ils seraient capables de me mettre une amende avec tout ce que je prétends. On rêve tous d'être grands, mais ça sera quand nous serons seuls sous les ponts. Arrive de prendre l'avion un jour. J'aurai plus la force de m'exprimer. J'aurais peut-être enfin la force de raisonner. Toujours perdu dans mes moments de solitude, toujours en manque de thunes. Alors tu connais la raison pour laquelle on n'a plus envie d'apprendre nos leçons. C'est qu'on est tous concernés par cette condamnation. On trouve plus la détermination, on peut même plus faire fonctionner notre imagination. Et nous ne prendrons pas le savon, car nous assumons nos choix et nos convictions. Il est vrai qu'on n'est pas comme tout le monde.